Franck, comment on fait ça du gin? Un gin, Karine, essentiellement, c'est de l'alcool de grain neutre qui est redistillé avec des aromates, ce qui va venir donner la saveur et l'odeur à ton alcool. Donc, il y a deux façons essentiellement d'aller chercher la saveur et l'odeur des aromates. C'est soit de les mettre en macération dans la cuve avec l'alcool avant de distiller pour un certain temps, ou les mettre dans un panier d'aromates où est-ce que les aromates vont alors recueillir la vapeur d'alcool pendant la distillation avant d'être recondensé à l'état liquide par la suite. Donc, nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on fait un petit peu des deux. On fait une technique mixte. Il y a certains aromates qui vont dans la cuve en macération pendant 24 heures avant la distillation. Puis le reste des aromates vont dans le panier. Donc, les pétales de fleurs, entre autres, en macération, ça donnerait un goût âcre. Donc, les pétales de rose puis la lavande vont aller dans notre panier d'aromates.